Bonjour. Alors, je vois qu'il n'y a que sept étudiants présents. Alors, donc, le bonjour s'adresse à ces quelques étudiants. Alors là, le nombre de présents n'est pas très encourageant. Alors, on essaiera donc de le terminer très rapidement ce cours-là, puisque je vois que ça n'intéresse pas grand monde, mais on le laissera quand même, on essaiera de le faire dans le règlement. Alors, je commence rapidement. Donc, les mycoses, vous en avez déjà eu pris. Alors, vous me dites s'il vous plaît, si vous m'entendez? Alors, pour les personnes présentes. Alors, vous pouvez me répondre, s'il vous Oui. plaît, si vous êtes là. Oui. Oui, là, je vois que ça commence à augmenter un peu, oui. Si vous m'entendez, vous me dites. Comme ça, je vais commencer. Est-ce que vous m'entendez? Allez, c'est bon, donc vous êtes là. Ça va, le nombre commence un petit peu à augmenter. Alors, ce que vous savez, c'est qu'il y aura un examen normalement sur oui. La planche, alors, le micro, seulement on vous entend, mais pas de diapo. Ah bon? Alors, attendez, là, on va essayer de voir. Toujours pas de diapo? Si, est-ce que vous avez les diapos ou pas? Est-ce que vous avez la diapo ou non? Si vous pouvez me répondre, me dire si vous voyez les diapos. Oui, c'est bon, c'est affiché. Allez, on va commencer. Alors, donc les mycoses, je pense que vous avez eu le temps un petit peu de lire. C'est un cours qui n'est pas très compliqué, il est un petit peu lent, mais globalement, schématiquement parlant, donc il faudra juste intégrer que les mycoses sont des affections très fréquentes, qu'elles vont avoir des présentations cliniques assez diverses, étant donné qu'elles vont non seulement toucher la peau, mais également les fanères, et puis il y a beaucoup de germes, donc il y a beaucoup de champignons qui vont être en cause. C'est pour ça que les manifestations cliniques vont être différentes. Il faudra savoir les reconnaître. Pourquoi? Pour adapter le traitement, bien sûr. Alors, donc là, je passe. C'est un groupe très hétérogène. Hein. Donc, il y a beaucoup d'infections qu'on va inclure. Alors, on parle de mycoses superficielles, cutanées ou muqueuses. Comme vous le savez, on peut avoir d'autres mycoses profondes. Alors, je lis un petit peu vos commentaires pour essayer de savoir. Les étudiants, sélectionnez vos propos, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui vous demande, je ne sais pas, qu'est-ce que vous dites là? Alors, je ne vous entends pas, mais essayez de couper vos micros, comme ça tout le monde pourra entendre, écouter le cours convenablement. Donc, les autres désactivés. Alors, à tous les étudiants présents, s'il vous plaît, donc essayez de désactiver vos micros, comme ça vos camarades pourront entendre le cours. Alors, j'enchaîne donc. En fonction de la localisation, on a des épidermomycoses, donc vous avez les onychomycoses, et enfin ce qu'on englobe sous le terme de teigne ou de cycosis. Alors bien sûr, la localisation muqueuse, elle peut être aussi bien buccale que génitale. Alors schématiquement parlant, on a trois groupes de champignons, alors qui vont être donc distincts selon leur mode de reproduction. Donc c'est comme ça, et le traitement diffère hein, en fonction du type du champignon. Alors, le diagnostic, bien sûr, on va faire un diagnostic clinique. Et puis, parfois, on va faire, donc, il fera appel, donc, un examen tout simple, qui est l'examen mycologique. Alors, l'examen mycologique, étant donné l'accessibilité de l'organe, qui est la peau, bien sûr, que ce soit les cheveux ou fanaires également, donc, on va faire un examen direct. Alors, l'examen direct, il peut se faire soit par grattage, soit par scotch test. Et puis, on va éventuellement, alors dans la plupart des cas, on fait une culture. Alors, la culture se fait sur milieu de sabot. Maintenant, concernant le traitement, donc, on a un arsenal thérapeutique qu'on va voir dans le détail. Alors, qu'est-ce qu'un champignon? Donc, c'est un micro-organisme. Alors, il y a des saprophytes, comme vous le savez, nous avons une flore. Alors, il y a des champignons saprophytes. Celui que vous connaissez qui est un saprophyte, est-ce que vous pouvez me dire lequel? Le saprophyte, on a un champignon saprophyte. Alors, dites-moi d'abord ce que vous connaissez comme saprophyte, s'il vous plaît. Saprophyte, que ce soit bactérien ou mycosique. Est-ce que quelqu'un pourrait me répondre, s'il vous plaît? Saprophyte. D'abord, vous savez ce que veut dire le terme saprophyte ou non?
Est-ce que quelqu'un pourrait me répondre, s'il vous plaît? Pour le terme, ça profite. Oui. Oui, candidat, staff, effectivement. Nous avons, alors, à part les virus, donc nous avons un tas de germes. Donc, c'est la flore, c'est la fameuse flore de notre microbiote. Hein, donc, il va venir qui? Alors, le terme, ça profite, veut dire. Très bien, exactement. Donc, ils vont vivre un petit peu en symbiose avec notre corps. Hein. Donc, on en a parlé la dernière fois. Donc, ils vont venir donc, s'opposer en général aux agressions exogènes. Donc, nous avons cette flore qui est très riche et qui est donc, qui sont des saprophytes donc, de notre écosystème. Alors, maintenant, bien sûr, vos camarades parlent donc. Alors, des opportunistes, alors c'est pas vraiment le terme, donc c'est plus, c'est une relation un petit peu d'égal à égal, donc les deux parties en tirent profit, hein, que ce soit le germe ou l'être humain, hein. Donc là, ça n'est pas vraiment un germe opportuniste. Alors, maintenant, concernant le saprophyte, très bien, oui, donc, et puis, pardon, s'il vous plaît, c'est quoi le cours? Alors, vous ne savez pas quel est l'intitulé du cours. Alors, je parle de champignons, là. Donc, normalement, vous devez savoir ce que c'est. Alors, votre camarade demande l'intitulé du cours. Alors, vous avez un programme, normalement, qui vous a été transmis. Oui. Alors, votre camarade, Manuel, vient de vous répondre. C'est les mycoses. Hein. Là, on est en plein dans le vif. Donc où en étais-je? Donc, on parle de saprophytes. Maintenant, les saprophytes peuvent se transformer en pathogènes. Bien sûr, c'est pathogène, donc on va les retrouver soit il va y avoir donc des modifications du terrain qui va favoriser donc l'émergence de ces saprophytes, donc ils vont piluler en nombre, ou vous avez carrément des infections par des germes pathogènes, des pathogènes vrais, donc qui vont venir infecter donc ce soit la peau ou les fanères. Concernant les modes de contamination, alors la contamination... Je vous en prie. Alors, votre camarade vous remercie pour l'intitulé du cours. Alors, vous avez bien sûr les différents modes de contamination. Alors, la contamination anthropophile, c'est la plus fréquente. Donc, la plupart, vous allez voir que la plupart des germes sont interhumains et d'origine interhumaine. Cependant, d'autres modes de contamination existent et qui se font en général de façon accidentelle, que ce soit pour la zoophile. Où vous avez pour la tellurique, alors la tellurique ça concerne les sols contaminés, puis vous avez la géophile. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, il y a plusieurs modes, donc il y a plusieurs plutôt champignons qui vont être distincts selon leur mode de reproduction. Là, je passe rapidement. Donc, vous avez en premier lieu le dermatophyte, c'est ce que vous voyez, donc c'est tous ces filaments-là. Il est particulier, il a cet aspect-là. Alors, il est filamenteux, comme son nom l'indique, et puis il se reproduit également par un mode, donc par un système, système de filaments et de spores éventuellement. Alors, qu'est-ce qu'il a comme particularité, ce dermatophyte? Il est très kératinophile et très kératinolytique. Alors là, on retrouve la kératine, donc pour les deux termes, ce qui signifie qu'il a une grande affinité pour tout ce qui est, donc, tout ce qui contient de la kératine. Donc, il va non seulement avoir cette affinité, et puis entraîner une lyse, donc, étant donné qu'il est kératinolytique. Maintenant, la kératine, on va la trouver où, s'il vous plaît, si vous pouvez me répondre? La kératine? La question, elle est assez simple. Vous pouvez me répondre, s'il vous plaît, pour la kératine? Oui. Épiderme, parfait. Encore. La kératine fanère. Alors, quand on parle de fanère, donc, les fanères, ça va être, bien sûr, cheveux et ongles. Hein. Donc, pratiquement tout le corps humain. Merci, donc merci pour vos réponses. Donc tout le monde a un petit peu répondu. Alors il y a trois genres de dermatophytes. Vous avez le microsporum, le trichophyton, et puis l'épidermophyton. Alors je vous ai donné un M, un T, un E parce qu'on va les retrouver par la suite. Donc il y a des espèces de dermatophytes. Alors le sang est diminué. Alors c'est le max. Le micro il est collé pratiquement. Donc je ne pourrais malheureusement pas faire plus. Essayez d'augmenter le volume chez vous, par contre. Hein. Peut-être que ça devrait le faire. Alors, donc, le plus fréquent, vous allez voir, ça va être le trichophyton rebrum. Donc, vous allez voir, c'est le dermatophyte le plus communément retrouvé. On le retrouve principalement au cours des onychomycoses. Alors, c'est une infection très, très fréquente. Je pense que vous en avez déjà vu. Mais également au cours des épidermomycoses. Alors... Là, c'est alors le tableau. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais vous l'avez normalement sur donc les diapos qu'on a mis déjà en ligne. Donc ça, c'est les différents germes. Donc c'est les différents dermatophytes. Et
les lésions donc, qui vont entraîner. Donc, vous avez vu qu'il y a des teignes principalement. Donc, il y a une atteinte des nerfs, mais également, vous avez des épidermomycoses, donc l'atteinte cutanée. Les levures. Concernant maintenant les levures, alors la levure que vous connaissez probablement, ça va être le candida. Cependant, il n'y a pas que le candida albicans. Hein. Il y a d'autres types de candida. Donc, c'est une levure, comme vous le voyez, qui est arrondie, donc qui va se reproduire par un mode, donc le dermatophyte le plus fréquent, l'épidermophyton rubrum. On va le reprendre tout à l'heure. Donc, pour votre camarade donc, qui demande quel est le dermatophyte le plus fréquent. Alors, maintenant, quand on parle de dermatophyte, parce que souvent, on va se retrouver, alors, pour le type, l'espèce de dermatophyte, en général, elle va nous prédire un petit peu, nous renseigner sur l'origine de la mycose. Maintenant, si on a une origine interhumaine, ça veut dire qu'on va chercher, pourquoi ? Parce que souvent, dans la contamination, on va retrouver une infection, donc une mycose chez l'entourage, en général. Maintenant, par contre, si on est face à un germe, c'est pour ça que l'espèce, elle est importante. Maintenant, si on est plutôt face à un germe qui est soit d'origine zoophile ou tellurique, donc notre recherche va se faire s'axer donc autrement. Alors, bien sûr, on va s'intéresser à la profession de notre patient et puis essayer donc d'identifier l'origine. Alors, quel est le dermatophyte le plus fréquent, s'il vous plaît? Je pense avoir répondu tout à l'heure. Donc, de toute façon, on va reprendre ça. Donc, on va s'intéresser et puis ce que je voulais vous dire également, c'est que l'origine anthropophile, en général, c'est des germes. Alors, commun, alors, il y a une espèce de le corps s'est un petit peu adapté à ces germes-là et la réaction, elle est en général moindre, elle est moins importante. Donc, on a des onychomycoses, c'est vrai, il y a une atteinte donc, clinique, mais qui va être moins bruyante, moins spectaculaire que les germes en général telluriques ou zoophiles. Alors, si vous avez, par exemple, un champignon d'origine tellurique, vous allez voir, franchement, l'onychomycose, elle va souvent s'accompagner d'une réaction inflammatoire locale. Donc, le sang... Est-ce que tout le monde n'entend pas bien, s'il vous plaît, si vous pouvez me dire? Parce que là, il n'y a pas moyen de rajouter le volume. Attendez, je vais regarder un petit peu si on peut. Alors, le haut-parleur, il est à 100%. Hein. On est au max. Donc, allez, merci. Allez, on enchaîne. Vous entendez? Parfait. Donc, comme je disais, ce candidat-là, comme vous le voyez sur la photo, donc il va y avoir ce système de bourgeons. Alors, pas de sang. Alors, essayez. Non, ça marche. On entend très bien. Alors, parmi vous, il y en a qui entendent bien, il y en a qui n'entendent pas bien. Donc, ça veut dire que pour ceux qui n'entendent pas bien, il faut voir localement à votre niveau, tout simplement. Donc, essayez d'arranger vos micros sur vos PC. Alors, donc, vous avez ce mode de bourgeonnement, ces petits bourgeons-là. Donc, vous voyez que déjà, l'aspect, il est complètement différent entre le candida et le dermatophyte. Alors, et puis, j'oubliais de vous parler de la lumière de Hood. Alors, la lumière de Hood, c'est la petite lumière bleue là, que vous connaissez, donc qui va accentuer, alors qui est en général utilisée pour, alors en police scientifique, pour un petit peu simplifier ça. Cependant, elle va plus, en général, on va l'utiliser pour voir un petit peu tout ce qui est liquide biologique, mais là, on est plutôt face à une coloration qui va se faire et qui va être alors verdâtre, et elle est assez spécifique du dermatophyte, alors que pour le candida, il ne va pas y avoir, donc on parle d'une lumière de Hood qui va être négative. La lumière de Hood également, on va l'utiliser pour tout ce qui est dyschromie, donc concernant les hyper- et les hypochromies. Alors pour les hypochromies, par exemple, si on est face à un vitiligo, la lumière de Hood va entraîner donc une accentuation de cette hypochromie et qui va apparaître d'un blanc encore plus nacré. Alors la lumière de Hood se fait toujours dans une ambiance, donc dans une salle donc sans lumière, donc comme ça elle va, donc vous allez voir tout ce qui est modification tinctorielle. Alors maintenant, il y a un troisième type de champignon. Le troisième type de champignon, c'est les moisissures. Heureusement, alors ça reste rare. Pourquoi ? Parce que les moisissures, alors en général, c'est des contaminants qui proviennent des sols et des végétaux. Alors il s'agit en général d'infections graves. Alors ces infections-là, pourquoi ? Parce que souvent elles vont s'accompagner d'autres manifestations. En dehors des manifestations cutanées, on peut retrouver des manifestations respiratoires. Donc les moisissures,
Possible, ça existe, donc gardez à l'esprit. Et puis l'atteinte, comme je vous disais tout à l'heure, l'atteinte clinique, elle va être très, très, très importante. Donc il y a des inflammatoires, des remaniements qui vont accompagner donc, ces champignons-là. Alors qu'est-ce qu'ils ont comme particularité ? Qu'est-ce qu'elles ont, ces moisissures ? Donc elles vont d'abord avoir les deux modes de on parle de champignons dimorphiques, c'est-à-dire ils peuvent se reproduire par les deux modes, soit par bourgeonnement ou par filament. Et puis, souvent, il s'agira donc plutôt de terrains particuliers. Quand on parle de terrain, donc, c'est plutôt chez des sujets qui auront donc d'autres tares, à savoir par exemple un diabète ou encore une immunosuppression, qu'elle soit donc secondaire, acquise ou congénitale éventuellement ou infectieuse. Alors, je ne comprends pas ce que veut dire votre monsieur médecine à tout le monde. IMD. Alors, essayez de ne pas écrire en abréviation si vous voulez que je parvienne à vous répondre là. Alors on commence donc un petit mot sur l'épidémiologie. C'est très fréquent hein, comme motif de consultation. Alors, je reviens un petit peu à l'habitat. L'habitat, vous avez géophile, comme on en a parlé tout à l'heure. Maintenant, la contamination donc, concernant géophile ou zoophile, elle va être bien sûr souvent accidentelle. Pourquoi ? Parce qu'elle va provenir donc, d'animaux malades ou encore de sols ou de végétaux donc, qui vont être contaminés. Et là, on s'intéresse particulièrement à la profession. Hein. Donc, la profession, le mode de vie à immunodépression. Merci. Donc, c'est l'abréviation. Donc, d'accord. Donc, le mode, on va s'intéresser un petit peu aux habitudes de notre patient et puis à son mode de vie. Hein. Et puis, principalement, à la profession. Pourquoi ? Parce que vous avez deviné que si, par exemple, on a un éleveur ou un vétérinaire, donc on va s'intéresser, on va non seulement traiter la personne, mais voir également donc, les animaux qui devront être traités éventuellement. Cependant, les espèces anthropophiles restent les plus fréquentes, fort heureusement. Donc, d'ailleurs, les manifestations cliniques, elles sont assez communes, elles sont faciles en général à reconnaître. Et puis, ces germes-là sont quand même représentent 80% donc de l'ensemble des mycoses. Maintenant, pour les dermatophyties anthropophiles. Alors, donc, ces dermatophytes anthropophiles, non seulement ils peuvent se transmettre à travers, donc cette transmission peut être interhumaine, hein, donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il faudra chercher donc, dans l'entourage immédiat. Souvent, on retrouve, souvent les patients, qu'est-ce qu'ils nous rapportent ? Ils nous rapportent tout simplement une contamination à travers, donc à partir d'un membre donc, de la famille qui est déjà malade. Et malheureusement, parfois, l'utilisation, alors si vous avez plusieurs membres de la famille qui utilisent les mêmes choses, par exemple les mêmes serviettes, déjà que le dermatophyte va se déposer en général au niveau du sol, donc c'est à ce moment-là qu'il va y avoir contamination. Donc déjà, il faut déconseiller bien sûr le port, l'utilisation donc commune de tous ces moyens-là, et puis bien sûr traiter non seulement le patient, mais proposer un traitement pour l'entourage. Maintenant, ces anthropophiles, comme je vous disais, donc peuvent se transmettre par d'autres personnes, mais il peut y avoir une autocontamination. Maintenant, le patient, on parle d'autocontamination. Par exemple, vous avez un patient qui vient avec, on verra tout à l'heure, un herpès circiné. Donc, l'herpès circiné, c'est une épidermomycose, donc c'est un dermatophyte qui va se localiser au niveau de la peau. Alors, votre premier réflexe, ça va être regarder ses ongles, tout simplement, parce que souvent, on va retrouver donc une atteinte, des atteintes multiples, et puis le traitement diffère. Bien sûr, on ne va pas traiter la dermatophytie cutanée, donc une épidermomycose comme une onychomycose. Donc le traitement va plus, donc on va prolonger la durée du traitement, on va rajouter d'autres traitements. Donc il faut toujours avoir le réflexe de regarder ailleurs. Donc regarder principalement les ongles. Alors maintenant pour les teignes également, il faudra rechercher s'il n'y a pas une localisation cutanée associée. Alors à quel moment se trouve donc on est confronté à cette contamination ? Alors la contamination n'est pas automatique. Parfois, ce n'est pas parce qu'on a été au contact avec un champignon qu'on va se contaminer automatiquement. Donc, ça se fait sur des terrains particuliers. Et souvent, c'est accompagné d'une altération de la barrière. Alors, les altérations de la barrière, donc, elles peuvent être minimes. Donc, il suffit d'avoir une petite brèche. Alors, c'est comme pour les onychomycoses. Hein. Donc, on ne se contamine pas automatiquement, mais il suffit d'une toute petite brèche cutanée ou au niveau de l'angle. Et là, le champignon va se faufiler à ce niveau-là. À ce moment-là, on va donc avoir une contamination. Est-ce que vous avez des questions ? Essayez de poser des questions en même temps. Comme ça, on va... Avez-vous des questions ?
Avez-vous des questions? J'attends vos questions si vous avez vos questions. Oui, s'il vous plaît. Ça va? Donc, pas de questions. Autocontamination, s'il vous plaît. Si je peux répéter, pour les autocontaminations, quelles sont les étiologies de l'onychomycose? Oui, éteignez vos micros également. Alors, il ne faudra pas que je me répète trop, parce que sinon, on ne va pas avoir le temps de terminer. Le cours est un petit peu long. On va l'essayer de le faire en deux séances de 40 minutes. Donc, autocontamination, ça veut dire c'est le patient lui-même. Donc, vous avez un autre site. Vous avez, alors, le dermatophyte peut se localiser à plusieurs endroits. Alors, il peut se contaminer soit à partir de l'angle, il peut se contaminer à partir d'une peau malade, à partir d'une teigne. Donc, on parle d'autocontamination, c'est-à-dire il va y avoir des lésions sur plusieurs sites anatomiques. Maintenant, les étiologies des onychomycoses, on va les reprendre tout à l'heure. Hein. Donc, on va les voir dans le détail. Alors, on enchaîne. Alors, on commence par les teignes. Alors, les teignes, c'est bien sûr, c'est la teinte donc, du cuir chevelu et des cheveux. Alors, il y a plusieurs types de teignes. Donc, vous avez la microsporique, la trichophytique, vous avez la supurative et le fagus. Alors, c'est la teigne, là, ce que vous voyez sur cette planche, c'est la teigne microsporique. Alors, regardez, vous avez du microsporum auduini. Donc, ça, c'est les dermatophytes principalement rencontrés. L'auduini qui est un anthropophile. Donc, le A donc, signifie anthropophile. Vous avez le Longueroni, le Canis. Le Canis, c'était ces zoophiles. Donc, vous voyez que dans la majorité des cas, le dermatophyte est anthropophile et accessoirement, il peut être d'origine zoophile. Donc, ça, c'est les champignons les plus fréquemment donc, rencontrés. Donc, la contagiosité n'est pas très, très importante. Hein. Donc, ça n'est pas des teignes extrêmement contagieuse. On reviendra un petit peu sur ça tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'en fonction du type de teigne, la contagiosité donc, va être différente. Alors, je laisse de toute façon la diapo. Là, vous avez la diapo de la teigne tendante normalement microsporique. Il y a votre camarade qui me dit qu'il y a un décalage entre le sang et la diapo. Je suis toujours sur la diapo de la teigne tendante microsporique. Donc, Ce qu'on va observer, donc, ça va être une plaque. Alors, la plaque, elle est particulière, comme vous le voyez. Donc, c'est une grande plaque érythémateuse squameuse. Alors, érythémateuse squameuse, la première chose qui nous vient à l'esprit, érythémateuse squameuse, psoriasis. Alors là, c'est facile. Le diagnostic reste assez aisé. Qu'est-ce qu'on a en plus? On a une. Donc, qu'est-ce qu'on a? Oui, le psoriasis, effectivement, votre camarade répond. Donc, on a quand même une dépilation, donc une alopécie, donc qui va accompagner, parfait, donc il y a une alopécie associée. Et là, donc, on pense directement au diagnostic de teigne. Alors, la présentation clinique, en général, c'est une où elles sont peu nombreuses. Peu nombreuses, donc de grande taille, c'est des plaques érythémato-squameuses. Alors, avec un aspect particulier, les cheveux sont coupés, dit comme en brosse. Donc, on a l'impression qu'ils sont coupés un petit peu au même niveau. Et puis qu'est-ce qu'on voit également? Alors, un aspect qui est dit givré. Alors, l'aspect dit givré, il est plutôt vu à la microscopie. Hein. Donc, on a l'impression que le givre, vous connaissez. Hein. Donc, et ça, c'est parce que le parasitisme va se faire non seulement en endotrix, mais en ectotrix, c'est-à-dire ça va engainer, mais également donc le champignon va se localiser à l'intérieur du cheveu, mais également engainer notre tige capillaire. Alors, l'examen à la lumière de Wood va nous montrer une fluorescence caractéristique, mais alors là, verdâtre sur toute la longueur du cheveu, et c'est caractéristique donc du dermatophyte et de ce type donc de teigne. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure? Alors, concernant l'âge d'apparition, alors c'est des teintes qui vont beaucoup plus toucher les enfants. Alors, c'est des enfants qui vont être en communauté en général. Alors, souvent, c'est des enfants scolarisés. Alors, qu'est-ce qu'elle a comme particularité, cette teinte? Donc, elle va guérir, l'évolution, elle est favorable. Alors, on verra que l'évolution des teintes se fait vers la restitution ad integrum. Donc, il n'y a pas de lésion cicatricielle ou d'alopécie, sauf pour certaines. Donc, il faudra différencier celles avec un risque de cicatrice et d'alopécie persistante. C'est pratiquement des lésions à vie. Et les autres teignes. Alors, concernant ce type de teigne-là, l'évolution
Alors, votre camarade demande qu'est-ce qui varie en fonction de la teigne. Alors, c'est l'évolution donc de la teigne. Alors, il y a des évolutions cicatricielles alopéciantes, et puis il y a des évolutions avec restitution donc du cheveu, tout simplement. Il n'y a pas d'évolution. Donc, une fois guéri, votre patient va retrouver sa chevelure, tout simplement, donc d'origine. Alors, on verra lesquelles vont entraîner une dépilation. Alors, parasitisme. Alors, je viens d'expliquer ce que c'est que le parasitisme ecto et endotrix. Endo, quand il va être à l'intérieur de la tige, ecto, il va en gainer, hein, c'est à l'extérieur. Essayez quand même de suivre, comme ça on ne va pas se répéter, s'il vous plaît. Merci. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Donc, concernant cette teigne-là, donc l'évolution sous traitement va se faire vers la guérison. Mais on a observé également que si on ne traitait pas, alors dans des milieux défavorisés, parfois des enfants peuvent traîner avec des teignes. Alors malheureusement, on a observé qu'il y aura donc malgré cela une guérison qui va se faire à la puberté. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas traiter. Donc, on va traiter quand même nos patients. Mais supposons que celle-ci est passée inaperçue, donc qu'il n'y a pas eu possibilité de traitement, donc elle évoluera. Donc, l'évolution sera bonne plutôt vers une régression donc à l'âge pubère. Le deuxième type de teigne, ça va être la teigne tendante micricophytique ou à petite plaque, comme vous voyez là. Alors, vous voyez que tous les dermatophytes en cause vont être anthropophile, vous avez le Sudanense, le Vialassome et puis le Tensurance. Alors, le Tensurance étant le plus fréquent. C'est une teigne anthropophile. Donc, l'origine, comme je vous l'ai mentionné là, elle est interhumaine. Il n'y a pas d'origine zoophile ou tellurique. Donc, c'est des dermatophytes anthropophiles et elle est très contagieuse. Donc, elle va toucher en général également les collectivités, les gens, les enfants en âge scolaire. Comme pour tout à l'heure, elle va évoluer avec une bonne évolution sous traitement et régression éventuellement à la puberté même sans traitement. Maintenant, la présentation clinique, elle va être différente, comme vous voyez. Donc, tout à l'heure, on avait très peu deux grandes plaques. Là, par contre, on est face à des toutes petites plaques. Elles sont assez nombreuses. Alors, vraiment, elles sont très, très petites. Là, maintenant, ce qu'on voit, on va voir des plaques squameuses, mais qui vont avoir une coloration plutôt grisâtre. Grisâtre, on a l'impression même qu'elles sont un petit peu croûteuses. Alors, soit vous avez des petites plaques comme ça éparses sur le cuir chevelu, soit vous avez une coalescence, donc une fusion de toutes ces plaques-là qui va constituer une espèce de casque mycosique. Maintenant, les cheveux sont coupés très très courts. Alors, il y a une cassure, mais cette cassure va se faire sur plusieurs hauteurs. Tout à l'heure, on a vu, il y a un aspect en brosse, donc un aspect uniforme des cheveux pour les grandes plaques. Alors que maintenant, il va y avoir des cheveux plus ou moins longs, des cheveux cassés, courts. Et puis, les cheveux peuvent être donc très très courts. Et puis, au niveau de ce follicule pileux, il va y avoir une petite croutelle comme ça et donner un aspect dit de pseudo-comédon. Donc, ce pseudo-comédon-là, ça n'est pas un comédon donc, comme vous l'avez vu dans l'acné, par exemple, mais c'est plutôt l'aspect que va donner donc le cheveu, ce cheveu très court, donc qui est pratiquement coupé à ras. Et puis pour cette teigne-là, on peut avoir carrément un état squameux chronique. Alors l'état squameux chronique, là, le diagnostic va être un petit peu difficile à poser, donc il faudra faire un examen mycologique. Pourquoi? Parce qu'on pourra évoquer d'autres diagnostics. Alors, quoique là, vous avez quand même, il y a une dépilation associée, mais faire un examen mycologique sur un état, donc sur un état pelliculaire dit chronique. Alors, la lumière de Wood va être par contre négative, et puis le type de parasitisme, il est dit endotrix, et va prendre un aspect dit en sac de noix. On a l'impression qu'à l'intérieur du cheveu, il y a comme des sacs de noix. Essayez un petit peu de vous. Pourquoi? Alors, je suis en train d'expliquer pourquoi l'examen à la lumière de Wood est négatif. Donc, le parasitisme, il est endotrix. Endotrix, et je vous disais, donc le champignon va se retrouver à l'intérieur donc du cheveu et prend cet aspect-là comme de gros sacs de noix sur lesquels va s'empiler un petit peu notre champignon. Après cette teigne-là, vous avez le carillon de Sells ou la teigne suppurative. Maintenant, pour la teigne suppurative, c'est cet aspect-là. Alors, il nous reste 10 minutes, donc on essaiera un petit peu d'activer. Donc, on va faire ça sur deux séances. Alors, vous avez cette grosse plaque, ce gros macaron. Alors, ce macaron-là, inflammatoire, je vous en prie.
Merci. Que veut dire un pseudo-comédant? Alors, je ne vais pas répéter pour le pseudo-comédant parce que je voulais expliquer deux fois, s'il vous plaît. Alors, pour ce que j'explique, vous pouvez revoir par la suite parce que ça va être enregistré. Donc, vous allez pouvoir revoir ces conférences-là. Donc, sur les questions que vous n'avez pas pu suivre, vous allez pouvoir donc réécouter éventuellement les explications. Alors, j'enchaîne un petit peu pour qu'on puisse terminer dans les temps. Alors, la teigne supérative, donc vous avez un gros macaron, donc c'est une teigne inflammatoire, une grosse plaque infiltrée. Alors, vous avez pu, hein, comme vous le voyez là. Là, vous avez carrément des croutelles. Alors, on parle de psychosis lorsqu'il se localise au niveau de la barbe. Alors, sachez que toutes les zones pileuses peuvent être le siège d'une teigne supurative. Donc, on peut avoir ça aussi bien au niveau des régions génitales qu'au niveau du cuir chevelu ou de la barbe. Alors, c'est une teigne qui est peu contagieuse. Maintenant, concernant le type de dermatophyte, alors, comme vous voyez, donc on a plus des dermatophytes zoophiles. Donc, vous voyez que la contamination, elle est plutôt accidentelle. Donc, ces espèces zoophiles ou encore telluriques pour le gypsum vont entraîner une réaction. Tout à l'heure, je vous dis plus. Donc, pour les dermatophytes anthropophiles, la réaction inflammatoire immunitaire, elle est moins importante. Pour tout ce qui est champignons, donc plutôt zoophiles ou telluriques, vous voyez que la réaction va être d'autant plus inflammatoire et entraîner donc cet aspect-là avec, bien sûr, une dépilation, la présence de pus, l'excoriation, un petit peu l'expulsion de ces follicules pileux. Alors, il y a un aspect qui a été un petit peu assimilé à ce qu'on appelle une pomme d'arrosoir. Donc, la pomme d'arrosoir, c'est une espèce de petit bidule avec lequel on arrose les plantes. Donc, ça prend cet aspect-là. Maintenant, le problème avec cette teigne-là, c'est que l'évolution se fait vers une cicatrice résiduelle. Alors, cicatrisation, alors avec perte, quand même une petite dépilation qui peut être associée. C'est pour ça qu'on doit traiter vite et correctement. Alors, ce type de teigne, étant donné l'importance de la réaction inflammatoire et le risque quand même cicatriciel, donc vous devinez, il faudra trouver un traitement adapté. Le traitement adapté fait appel, bien sûr, aux antifongiques, qu'on verra lesquels. Mais on va associer pour diminuer, alors c'est le seul cas de figure qu'il faut garder en tête, on va associer un traitement anti-inflammatoire de très courte durée. Et en matière de traitement anti-inflammatoire, qu'est-ce que vous connaissez comme puissant traitement anti-inflammatoire? Si vous pouvez me répondre, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous connaissez comme traitement anti-inflammatoire? D'action très rapide, bonne action, donc. Les corticoïdes, effectivement. Alors, on parle de corticothérapie par voie générale et non pas de corticothérapie par voie locale. Alors, cette corticothérapie devra être associée donc, au traitement antifongique sur une très, très courte durée. Alors, on parle de 3-4 jours, hein, ce n'est pas au-delà. Hein. Ce n'est pas la peine de donner plus parce que sinon, on va tomber dans l'effet inverse. Étant donné que les corticoïdes vont entraîner un effet anti-inflammatoire, mais en parallèle, à côté, qu'est-ce qu'ils vont entraîner les corticoïdes, la corticothérapie par voie générale, c'est un facteur de quoi? Est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît? Ce qu'on craint, c'est pour ça qu'on ne donne pas sur une longue période. Très bien, exactement. Il y a une baisse de l'immunité. Donc, s'il y a baisse de l'immunité, au contraire, on va avoir le champignon qui va flamber secondairement. Donc là, on va traiter donc rapidement pour éviter donc cette évolution-là. Alors concernant le type de parasitisme, ça va être un parasitisme endoectotrix. Et puis c'est particulier. Jusqu'à présent, alors on n'a pas tellement parlé des signes fonctionnels, mais là, étant donné les phénomènes inflammatoires, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver de la douleur. Donc le cortège des signes inflammatoires habituels que vous connaissez. Donc il y a de la douleur, il y a de la fièvre, un petit fébricule. Bien sûr, il n'y a pas d'altération, donc il n'y a pas de répercussion sur l'état général. Mais souvent, on va retrouver une adénopathie. Cette adénopathie, elle est associée. Alors c'est des adénopathies inflammatoires, donc associées donc à cette réaction quand même cutanée qui est assez importante. Alors il semblerait maintenant que ce type de teigne, alors elle est la seule à conférer une immunité durable. Donc une fois qu'on a déjà fait une teigne, donc bien sûr à l'un de ces types de dermatophytes. Maintenant, si on a fait un montagrophyte, on a le droit de faire un encrossum, mais on ne refera pas de montagrophyte. Pourquoi? Parce que l'immunité, donc ce type de teigne confère une immunité qui est durable.
Alors ça, c'est juste le bon côté de la chose, mais il faut traiter, donc il faut d'abord poser le diagnostic. Alors pourquoi? Parce que quand on voit, alors notre réflexe, alors c'est le réflexe un petit peu de tout le monde, hein, dès qu'on voit du pus, à quoi on pense? S'il vous plaît, essayez de me répondre là. Pus égale, souvent, parce que souvent les patients atterrissent à notre niveau pour, oui, exactement, on pense... Alors souvent, on pense faussement et puis on se trompe en pensant à une pyodermite infectieuse. Alors demain, vous allez faire normalement le cours de tout ce qui est infection bactérienne. Donc là, il s'agit plutôt d'origine mycosique et non pas bactérienne. Allez, on enchaîne rapidement pour essayer de terminer. Alors, on termine avec le favus. Alors le favus, c'est particulier. On l'appelle la teine de la misère. Pourquoi? Parce que d'abord, elle est très rare, elle est exceptionnelle. Elle touche des milieux défavorisés. Mais alors là, donc elle reste quand même... particulière. Et puis, sa particularité d'abord, bien sûr, qu'elle va toucher l'enfant, bien sûr, particulièrement. Alors, et puis, l'évolution, comme vous le voyez, elle va être cicatricielle, alopéciente et définitive. Il y a cet aspect-là, caractéristique que vous voyez. Alors, on parle de cupule du godet favique. Vous voyez ces petites croutelles-là, elles sont incurvées, elles ont une couleur un petit peu jaunâtre, un petit peu particulière. C'est le godet favique. Et puis, elles ont une odeur terrible qui a été assimilée un petit peu à une odeur de nid de souris. Mais enfin, pour dire qu'elle dégage, que ce type de teigne dégage une odeur particulière, avec cet aspect également associé de cheveux ternes, de très mauvaise qualité, qui va vous... Elle guérit à la puberté. Non, c'est la seule teigne qui ne guérit pas. Alors, votre camarade demande si cette teigne guérit. Alors, jusqu'à présent, on parlait pour les deux premières, donc il y a une guérison à la puberté. Pour la teigne inflammatoire, donc le chérion de Sels, il y a une guérison, mais au dépens donc, d'une cicatrice résiduelle. Donc, on évite la cicatrice par les anti-inflammatoires. Mais concernant le favus, l'évolution, elle est chronique et elle est en plus de ça définitivement cicatricielle et alopéciente. Donc, il faut traiter. Alors chez nous, ça n'est pas une teigne qui est rencontrée chez nous. Hein. Donc là, je vous dis un petit peu à l'avance. Mais, et puis, ce que vous voyez, au fur et à mesure, d'abord, on a des petites cupules, des petites squames croûtes et une évolution vers un casque squame croûteux qui va englober et engloutir tout le cuir chevelu par la suite. Alors, c'est une teigne qui est un petit peu contagieuse également. Et puis, elle a une faible fluorescence à la lumière de l'eau. Quels sont les diagnostics différentiels? Donc, pour les teignes tendantes, donc ça va être tout ce qui est lésions érythémato-squameuses, squameuses principalement. Donc, on va retrouver le psoriasis, la dermite séborrhéique. On a ce qu'on appelle la fausse teigne amiantacée. La fausse teigne amiantacée, alors, c'est des lésions érythémato-squameuses à s'y méprendre qui ressemblent au psoriasis, un petit peu à la teigne, et qui vont accompagner des terrains atopiques. Donc là, c'est particulier, on va les retrouver. Donc, il faut aller examiner, chercher ce qu'il y a derrière. Alors, si la maman vous dit, voilà, le petit, il est asthmatique et qu'il ne répond pas, donc vous donnez un antifongique et ça ne répond toujours pas. Donc, ayez ce diagnostic, il faut avoir ce diagnostic en tête. Bien sûr, vous avez tout ce qui est étape pelliculaire ou pityriasis capitis. Alors, c'est un petit peu l'équivalent d'une petite dermite séborrhéique. Et puis, enfin, la trichotillomanie qu'on a déjà vu, donc qui est une maladie à support psychiatrique. Maintenant, concernant la teigne inflammatoire, vous avez comme diagnostic, bien sûr, les pyodermites infectieuses, principalement d'origine bactérienne. Et puis, vous avez tout ce qui est alopécie cicatricielle pour certaines maladies inflammatoires, à savoir le lupus discoïde et puis la sarcoïdose. Faites votre petite recherche afin d'essayer de voir quelques exemples cliniques. Donc, pour ces pathologies-là. Alors, il nous reste une petite minute, on enchaîne un petit peu pour les épidermophyses. Donc, c'est l'atteinte cutanée. Donc, l'atteinte cutanée, ça va être donc les phénomènes inflammatoires observés, donc qui vont faire suite donc à cette pénétration du dermatophyte avec lyse, sécrétion donc d'endoprotéase et d'exoprotéase à travers la sécrétion de ce mycélium. Alors, le mycélium, c'est le matériel donc fongique que va sécréter notre dermatophyte. Et puis, bien sûr, il va y avoir des réactions inflammatoires, immunitaires et l'aspect clinique. Ça va être donc l'expression de tous ces phénomènes-là. L'infection reste circonscrite chez le sujet immunocompétent. Donc, si on a une lésion ou deux, ça va. Si on a beaucoup de lésions, il faut se poser la question, pourquoi le patient fait autant de lésions? Alors, ça va se couper d'un instant à l'autre, mais vous allez me répondre, donc on va reprendre. Et vous allez me dire pourquoi, qu'est-ce qu'on va chercher maintenant si on est face à une mycose étendue, donc quel va être votre réflexe devant donc, des mycoses principalement donc étendues.